voici notre espace où on va mettre en place quelques buts de permaculture. Alors on a travaillé un petit peu le sol pour le rendre un petit peu plus meuble, parce qu'ici on est en présence d'un sol très argileux, et du coup on a voulu le rendre un petit peu plus meuble. Alors on l'a greliné, mouliné, et là on a paillé. On va dans un second temps mettre un petit peu de caca de vache d'un éleveur en bio qui est pas très loin d'ici. On mettra ça en dessous là, des bottes de paille pour agrader un peu notre sol et le rendre un peu plus fertile pour l'année prochaine. Donc voilà, donc ça c'est notre espace. Ici en bas là, on n'a pas encore couvert, mais on va s'y atteler. Et puis on a aussi ici notre compost qui est issu en fait principalement de nos toilettes sèches. Donc là on peut voir que c'est en train de composter doucement mais sûrement. Là on est en période bientôt hivernale, donc c'est un petit peu à l'arrêt, mais voilà, toute cette matière organique par la suite, au bout de 2 ans de compostage, logiquement il faut attendre 2 ans, après on va pouvoir l'utiliser et la mettre ici dans nos espaces de culture. Donc voilà, je vais vous montrer en vidéo aussi les petites semis qu'on a préparées pour mettre tout ça en terre. Comme ça, on aura peut-être quelques petits légumes pour cet hiver. Donc toute cette partie-là, elle sera, on la suivra au fil des saisons, et on vous fera plein de petites vidéos pour illustrer un petit peu tout ce qu'on fait dans le jardin. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo autour de la permaculture. Ciao les amis.